Lalilou est inspirée par la nature. Construit des murs. Recouvre les rondins de feuilles. On peut se protéger de la pluie sous un toit pareil. Christophe décida de surprendre sa petite copine. Waouh, on a une nouvelle maison? Comme c'est beau! Il y a tout ce qu'il nous faut. Mais où est-ce que je vais dormir? Oups, donne-moi une seconde. Christophe construit une tente confortable en un clin d'œil. Super! Je m'imagine déjà faire du yoga ici le matin. Chérie, ça tente un date? Oh, une rose! T'es trop romantique! Mais Elsa va rester riche. La reine d'Arendelle est assise sur un trône de cristal. Hey, t'as oublié ta séance photo? Quand ça? Oh, t'as déjà les tissus! On doit commander une robe, c'est urgent! Il a une coupe asymétrique et une longue jupe. Magnifique! Encore plus de pierres précieuses. Ma tenue te plaît? Aujourd'hui, Elsa tourne un clip vidéo. Allô, t'es où? Je t'attends sur le plateau. Hello, on est là! Waouh! Je devrais avoir l'habitude maintenant. Allez, on va signer le contrat. C'est parti, j'allume la caméra. Hey. Elsa, t'es si élégante! Donne-moi la caméra. Je vais tourner une vidéo unique. Woohoo! Ouh, Olaf qui danse! C'est le meilleur! On va avoir des millions de vues. La meilleure partie, c'est le grand écart d'Elsa avec une voiture dans le fond. Yay! Le dragon sera la star de la vidéo. Bravo! Colle du simili-cuir artificiel sur de la feutrine. Découpe une semelle en polystyrène. Dessine une forme de botte. Noue les lacets. Oh, quelqu'un a déjà marché des kilomètres avec ses chaussures. Mais la pauvre Anna n'a pas le choix. N'importe quelle chaussure, c'est mieux que de marcher pieds nus. Sur son chemin, Anna tomba sur une brocante. Boutique zombie pour tout le monde. Ouh, jolies chaussures. Tu veux les acheter? Ouais, mais j'ai pas d'argent. Si tu arrives à m'impressionner, elles seront à toi. Yay! Christophe, aide-moi! J'ai un plan. Hey. Ok. Anna souleva Christophe et se mit à faire des squats. Waouh, t'es trop forte! Tu les mérites. Cool! Félicitations! Anna, je suis fière de toi! Hihi, merci! Colle du papier mousse doré sur une boîte. Retire les inscriptions. Hé les gars, je vous ai apporté du carton. Merci Olaf. Recouvre le carton de doré. Des perles feront guise de pied. Elsa achète une nouvelle paire tous les jours. Olaf aide Elsa à faire le ménage dans la maison. OMG, il y a des chaussures partout. Où est-ce que je vais les mettre? Wow! Olaf, pourquoi c'est si sale ici? Oh là là, je supporte pas ce bazar. Apporte-moi un verre d'eau, s'il te plaît. Oh, je me sens pas très bien. Nettoie tout ça. Où je peux mettre ces chaussures? Peut-être dans le panier? Allez, là-dedans! Où je vais le mettre? Peut-être ici? Non, ici. Olaf, pourquoi tu mets autant de temps? Commande donc un meuble à chaussures. Oh, comme c'est léger! Au moins, tout rentre. Bon travail, je suis fière de toi. Découpe une radio dans du polystyrène.
Recouvre les côtés de feutrine. Une épingle s'est transformée en antenne. Ajoute des boutons. Maintenant, tu peux écouter ta radio préférée n'importe où. Anna entendit un bruit étrange dans une benne à ordures. Hello ! Il vient d'où ce bruit ? Je vais suivre le son. Oh ! Je suis tombée ! Mais j'ai trouvé un truc ! On n'a jamais eu de radio avant ! Mais j'ai un super sens du rythme. Je vais organiser une fête. Hey, monte le son! Oh, il passe un super moment. La musique, ça rapproche les gens. Détourne un vieux violon. Découpe-le. Peins-le pour que ça ressemble à du bois verni. Le manche est installé. Les cordes en or, c'est la partie la plus importante. Un cure-dent servira d'archet. Ce violon Stradivari très rare a été conservé dans le musée de Lalitone pendant des siècles avant d'arriver à Arendelle. Oh, je m'ennuie tellement! Qu'est-ce que je pourrais faire? Marshmallow, viens ici! Tu peux peut-être me proposer quelque chose d'amusant à faire! Ah, laisse-moi chanter pour toi! Ah, mes oreilles! Peut-être que tu sais jouer du piano? Oh, au secours! C'est encore pire! Oh là là, mais c'est quoi ce bruit horrible? Oh. Stop! Ça me rend dingue! Moi, je vais vous faire écouter de la musique normale. Bravo, bravo! Je savais pas que tu savais jouer! Toutes ces années passées à l'Académie Snowman n'ont pas servi à rien. Elsa, attends! Nos couturières vont prendre tes mesures. Tout cet argent! Les billets se collent au boa tout seul. Décore le magnifique accessoire avec des cristaux. Elsa est très difficile. Mais même elle peut pas dire non à un boa pareil. Bon, la nature c'est cool et tout. Mais j'en ai marre de vivre dans la forêt. C'est l'heure de rentrer à la maison, à Arendelle. J'espère que quelqu'un verra mon panneau et me déposera là-bas. Salut, tu vas où? Je dois aller à Arendelle. On va à Disneyland. Tu viens avec nous? Non, je veux rentrer chez moi. Mais merci quand même. Oh, où est ma sœur? Anna, c'est toi? Oh chérie, je t'attendais depuis si longtemps. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu rentres pas simplement à la maison avec moi? Prends ce boa, il fait froid dehors. Waouh, il est trop chaud et beau. Merci. Allez, viens. On aura besoin d'un porte-clés. Peins le cadre en plastique en doré. Insère un certificat. Des roses scintillent dans les coins. Et un cordon est noué autour du cadre. C'est un super cadeau. Anna, t'as l'air fatiguée. Comment ça? Ben, tes cheveux. Elsa, j'avais même pas de brosse à cheveux. Prends ça, c'est un certificat pour aller dans un salon de beauté. Tu mérites de te détendre un peu et de prendre soin de toi. Waouh, tout est si beau ici! Miss, t'es perdue? Non, ton adresse est sur le certificat. On arrête les questions, assieds-toi. Que la transformation commence! Oh, c'est un cas difficile. T'as tellement de talent! Je suis trop belle! À bientôt, mademoiselle! Les pailles sont alignées. Presse un côté du tube. Remplis-le de colle chaude. L'étiquette est collée. Maintenant, le tube peut aller dans la trousse à maquillage. Serette, je suis tellement contente qu'on soit de nouveau réunis. Mesdames, ça vous dit un verre? J'en ai pris deux. Avec plaisir. Trop bon. Anna, pourquoi t'es si pâle? Prends cette lotion bronzante. Ta peau sera superbe. Allonge-toi et détends-toi un peu. Moi, je vais aller nager. Pendant qu'Elsa nageait, Anna s'est mis trop de crème bronzante. Maintenant, tu n'auras plus besoin de bronzer. Ça, c'est bien vrai.